Et salut les amis, c'est Thomas Games et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur un jeu appelé Besiege. Donc j'ai déjà un peu avancé le jeu, mais je vais faire donc je vais apprendre depuis le début avec vous. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'à chaque fois on va prendre des véhicules que je fais moi, et après dans une seconde partie, donc qui sera toujours la même vidéo, on prendra des véhicules du workshop. Donc c'est le workshop, c'est quoi? Donc genre, par exemple là, donc on va à Epsilon, tac. Donc c'est le premier niveau, ça. Donc, je vais vous dire, par exemple là on peut faire ça. Alors bien sûr on va pas faire le truc facile, genre regardez. Donc là c'est le truc que j'ai déjà fait, que j'ai enregistré. Ça, j'ai failli faire une vidéo dessus parce que c'était vraiment marrant, mais on pouvait pas. Donc là, donc là c'est les véhicules du workshop. Après, pour en avoir plus, parce que là c'est ce que j'ai téléchargé, pour en avoir plus, merci de cliquer le père. Tac, tac. Et du coup là, par la magie du cinéma. Ah ouais, elle est là. Bah il y a plein de véhicules. Alors là, tac. Voilà, il y a plein de véhicules dans le workshop. D'ailleurs, celui-là, il est assez bizarre de faire la game mort. Voilà. Il y a plein de trucs. Donc, il y a plein de véhicules. Bon, il y a... Oui, il y a beaucoup de véhicules. Voilà, bah... C'est ça qu'on va faire. Donc, alors, tac. Maintenant, ce que je vais faire, bah... Je vais faire un bon truc. Nope. Déjà, je vais prendre les bases. Je vais vous apprendre les bases, pardon. Donc là, ça c'est la base d'un véhicule. Ensuite, ce qu'on fait, on fait des roues. Ensuite, ça. Ensuite, ça. Ouais. Non, je rigole. On enlève ça. Ça sera rien. Voilà. Parfait. Donc là, on peut prendre les roues. Tac, tac. Non. Et maintenant, en fait, on va dans la petite key marker, donc la petite clé à molette, je crois que ça s'appelle. Et là, ici, en fait, par exemple, si c'est une roue droite, et ben faut faire... Enfin, si c'est une roue gauche, pardon, on fait la flèche droite. On pareil derrière, tac, tac. Et là, une flèche de droite cette fois-ci, on fait la flèche de gauche. Parce que c'est inversé. Du coup, pour avancer, il faut appuyer sur les deux flèches en même temps. Pour reculer, bah, c'est par défaut. Après, là, par exemple, t'appuies sur tourner et reculer. Du coup, c'est louf. Ça fait ça. Bon, là, je vais... Ah, youpi! Eh oh, reviens. Oh, oui. Bon, il y a du sang, mais c'est pas pour autant que c'est violent. We are the champion, my friend. Hop là. Faut tuer tous les moutons. Ah là, la mission est déjà terminée, mais bon. Donc on va faire peut-être au début genre 3 niveaux par vidéo. Après, dans les niveaux plus avancés, là il y a un niveau vraiment que je bloque, j'arrive pas, mais j'ai la bonne machine, hein, mais c'est juste il faut avoir plus de skill. Ce que je n'ai pas. Et après je pourrais réussir, mais bon. Donc, je le trouve assez galère. Et là, on va prendre un véhicule du workshop. Alors, retourne sur map. Mince. Et là maintenant, on va le faire avec un véhicule du workshop. Donc, un véhicule du workshop. Je vais déjà aller là pour voir s'il n'y a pas un truc qui va être bien. Oh ouais, ça c'est bien.
Ça, par contre, c'est la flèche pour avancer, flèche du haut pour avancer, après pour tourner, bah, c'est comme ça. Voilà, fini. Bah, c'est du plus facile, hein. Mais non! J'arrive pas à faire ce que je cherche à faire. Il brille. Get direct. C'est bon. Ensuite, next done. Donc là, maintenant, je suis juste un peu en l'air. Bon. Pour ça, je peux load une machine que j'ai faite ou pas. Vous inquiétez pas, c'est enregistré. Donc alors, bah. Voilà. Ensuite, non, on fait ça. Voilà. Là, on va dans le sens pour faire R. Ah, ça va dans le sens. Ensuite, là, c'est maintenant. Faut tuer les poyaux. Lol. C'est mon mot préféré en espagnol. Oui. Non. Normalement, ça fonctionne, ça. Sinon, je dois faire un truc dégoûtant. Ah, oui. Enfin. Ah. I have Alice in my car. Non, si on peut appeler ça une voiture. Allez. On l'a refait. Let's Mais go. du coup, le niveau sera pas validé. De toute façon, c'est pas grave parce que je venais de valider. Alors, tac, c'est R de, sou de souvenir. Ah ouais, oh purée. J'avais oublié qu'il faisait la game or. C'est pas grave. Boum. Pouya. Voilà. C'est son seul point faible. Ah non! Tiens, tu veux voir? Dis bonjour à papa. Oh là, oh là. Oh le lag extrême. Je vais vous montrer un peu ses fonctionnalités vu que j'arrive pas à atteindre ces petits poulets. Déjà, donc, un. Ça sert à rien. 2, c'est pour refermer. 3. Un pistolet à eau. Mais totalement surchité parce que normalement ça doit pas pouvoir tirer aussi loin. Normalement les pistolets à eau c'est vraiment. YOLO. Attendez. Ah, oh là, le recul de l'extrême. Allez, nous allons faire le ménage. Voilà, ça ira plus vite. Et voilà, on a fait le ménage. Oh, les roues sont barrées. Ensuite, 4. Oui, ça, c'est le lance-flamme. Ah. Ouh, je l'avais pas vu venir. Tchoum.
Du coup, R pour faire ça. Attendez, et 9. Ah, du coup, on peut faire. Ah, ouais, c'est vraiment pour pouvoir le scratcher, quoi. C'est totalement nul! Allez, next niveau. Alors, on va faire ça, hein. Select level. Non. Voilà. Vous avez un petit aperçu dans notre niveau futur. Très facile. Ce sera le dernier niveau pour aujourd'hui, normalement. Ah, je suis fatigué. Alors, ensuite. Bon. J'ai compris. On est bien sûr. C'est bon, les gens, vous avez rien à changer. On est vraiment. Non, on est sérieux. Non, tac, 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 tac. Là, on finit tranquillement. C'était très dur. LOL. Putain de map. Ah, c'est du workshop, mais je l'ai vraiment enregistré. C'est vraiment trop stylé. Attends, je me souviens plus c'est quoi ça. Attends. C'est quoi le bouton? 7. Regarde, les mêmes, on peut faire ça. YOLO. Ah! Voilà, c'est dur. Ah, on perd le contrôle. Bon, vas-y, allez. Et qu'on en finisse avec ce niveau. Allez. Oh, on peut réussir. We can do it. Non. Allez. Oui, c'est bon. Et bon, bah. Et je vais vous laisser là. Et sur ce, rendez-vous à la fois prochaine. Ciao, bye bye.